Good morning, televiewers, and welcome to the second edition of The Brief for the week, live on My Media Prime Television. On today's edition of the program, we shall be focusing on the reports by Human Rights Watch that was made public, or that was published yesterday by the said group, accusing the Cameroonian soldiers of desecrating palaces in the northwest region of Cameroon. We shall equally talk about the move taken by the government of Cameroon, or by the government of the United States of America, to ensure that those that were supposed to be deported back into Cameroon or back to Cameroon will no longer do so. We are told that some House of Representatives have written to the President of America, Joe Biden, calling on him to block the move that was supposed to see some Cameroonians deported back home, especially those who are promoting the violence ongoing in the two English-speaking regions of Cameroon. Let's go find out what the French newspapers have for us this morning with Etape Quentin. Bonjour, Etape. Bonjour, Lasha Kinshili. Bonjour à nos téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Bienvenue à cette émission de débrief à la grande revue de presse bilingue, édition de ce mardi 3 août 2021. Et puis, commençons très rapidement avec l'hebdomadaire Vision économique pour parler, bien sûr, de la gestion des fonds alloués pour la riposte contre le coronavirus, alors que le MinSanté et le MINFI veulent faire la lumière sur l'utilisation des 45,9 milliards de francs CFA d'avance de trésorerie. En tout cas, c'est d'ailleurs le titre que le journal consacre à sa grande une ce matin. Selon nos confrères, la gestion de cette importante somme dans la lutte contre la pandémie divise le MinSanté et le ministre des Finances, lui Paul Motazé, et son collègue du MinSanté, Madaouda Malachi, sur la base d'un rapport querellé. En page 7 de sa parution, le journal rappelle que ces avances de trésorerie sont de trois types, à savoir 34,52 milliards de francs CFA virés à la pénurie spécialisée de la santé publique, 3,3 milliards de francs CFA représentent les dons perçus par des personnes physiques et morales, et puis 8,07 milliards de francs CFA des avances de trésorerie octroyées par la pénurie spécialisée du Fonds spécial de solidarité. Au pied de sa une, le même journal informe également que 50 milliards de francs CFA sont donnés aux pays du bassin du Congo par la Banque africaine de développement pour l'industrialisation du secteur bois. Poursuivons ce matin avec notre exercice avec l'hebdomadaire Le Crayon Info, parlant de l'éducation. Le professeur Laurent Serge Tondingwa, Paris gagné du patron du Minidup, c'est le titre que le journal poste à sa grande une ce matin dans le développement. En page 10 de le journal de Jérôme Ekoto, à travers ce département ministériel, le gouvernement a réussi à créer 3000 emplois, une remarquable satisfaction qui se traduit par le respect des consignes de l'État dans le recrutement des instituteurs vacataires. Cela s'explique également par le respect de la déontologie et la rigueur dans le choix des hommes comme souhaité par les bailleurs de fonds. Et puis continuons avec le journal Ligne d'Horizon qui titre « Question orale, question écrite, commission d'enquête, un gouvernement incontrôlable ». Dans les colonnes de cette parution, le journal de Valentin Siméon Zinga démontre que si le contrôle de l'action gouvernementale par le Parlement est prévu par la Constitution et organisé par le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, il peine à se rendre effectif. En tout cas, les raisons vous sont livrées dans le journal présent en kiosque ce matin. Clôturons très rapidement avec EcoSanté, qui s'intéresse justement à la santé et affiche à sa grande une « Recherche le Cameroun, enquête sur la séroprévalence du Covid-19 ». Après une enquête menée, le journal révèle que le ministre de la Santé publique, en collaboration avec Epicentre,
organise un sondage national sur la séroprévalence du coronavirus pour estimer le nombre de personnes ayant été en contact avec la maladie et déterminer les chances de risque liées à sa mortalité. Ceci étant, les équipes déployées sur le terrain du 26 juillet au 26 août feront le porte-à-porte des ménages à l'aide des tablettes. Elles poseront des questions aux populations et prélèveront quelques gouttes de sang pour réaliser sur place un test rapide déterminant la présence d'anticorps contre le coronavirus. Pour plus de détails, en tout cas sur cette information, allez parcourir la page 6 de ce journal présent en kiosque ce matin. Mesdames et messieurs, fin stop pour la lecture des unes en langue française. Place actuellement à la découverte de cette tabloïde avec toi, Lasha en anglais. Thank you, Etape Quentin. This morning we're going to kickstart with the Express newspaper. The Express newspaper, which is interested in the 2021-2022 academic year. The paper writes that the Minister of Secondary Education, Professor Pauline Nalova Lyonga, has shut down over 100 establishments or schools that are operating illegally across the national territory. A list of schools that are operating illegally was made public by the Minister of Secondary Education of the country, Professor Pauline Nalova Lyonga, recently. You can get more details about the over 100 schools that are operating or that were operating illegally in the country. Only in this edition of the Express newspaper. The Express newspaper is also interested on the humanitarian situation in Cameroon. U.S. Congress Committee on Judiciary expresses worries about the growing concerns of the humanitarian situation in the southwest and northwest regions of the country as a result of the Anglophone crisis, not leaving out the east region. The far north region also plagued by conflicts in the country. More details in this edition of the Express newspaper. On to the Advocate. The Advocate newspaper is interested this morning in the National Peace Convention, which held in Yaoundé. The Peace Convention, which brought together over 1,000 women, the 1,000 women which who conversed on Yaoundé to crusade for peace in the country. The paper is telling us this morning what the women want, what they want for Cameroon, especially the conflict-stricken regions of the country. The paper also reports on hotel owners syndicate meeting in Limbe in the southwest region of Cameroon. They have agreed that they have engaged the European Union Energy Cost Reduction Initiative, equally launched a best practice guide or practices guide, Operation 1 million tourists for Can project coming ahead in 2022 in Cameroon. Let's leave the Advocate newspaper. We are with the Guardian Post, which is interested in the recent report or the report published yesterday on the armed conflict in the northwest and southwest regions of Cameroon. Human Rights Watch accuses soldiers of desecrating palaces, destroying artifacts. According to the paper, United States-based rights group Human Rights Watch has, in a fresh report citing witnesses, accused soldiers of deliberately desecrating homes or desecrating thrones in palaces and destroying precious traditional artifacts in villages across the northwest region of Cameroon. According to the rights group Human Rights, the report published on Monday, at least two palaces were desecrated in June during separate raids carried out by the Defense and Security Forces of Cameroon. The group said in the lengthy report that security forces killed two civilians, raped a 53-year-old woman, destroyed and looted at least 33 homes, shops, as well as traditional leaders' palace in the northwest region of Cameroon on June 8 and 9, 2021. Let's also talk about thousands of Cameroonians
who were supposed to be deported from the United States of America. We are told that Congress petitioned Biden administration to block move that was about to yield fruit, the move which was supposed to see over 1,000 Cameroonians, some of whom are supporters of the ongoing conflict in the northwest and southwest regions of Cameroon, deported back to Cameroon. And we are equally told that 17 women in Cameroon suffer from obstetric fistula, a condition which is mostly affecting women in Cameroon. Over 17,000 of them, according to a UN report, are suffering from that medical condition. And we end with the Eden newspaper. The Eden is also interested in the move taken by U.S. representative to block some asylum seekers as well as Cameroonians who are currently residing in the United States of America. We are told that the move, they have petitioned the Biden administration to ensure that thousands of Cameroonians, some of whom are asylum seekers and supporters of the ongoing conflict in the northwest and southwest regions of the country, are not deported back into Cameroon. Thank you for watching, televiewers. We are back in the studio to continue with our discussions this morning, and we are receiving a colleague of the French desk, BOMOTONGUINA GLADYS. Bonjour, une fois de plus, GLADYS. Bonjour, Lasha. How are you doing? I'm doing well. You look bright and smart this morning. It's very important. Okay, let's go to the Guardian Post newspaper, which is interested in the move taken by some U.S. House of Representatives. They are petitioning the Biden administration to stop a process that was supposed to see thousands of Cameroonians who are seeking asylum in the United States of America not to be deported back to Cameroon. Is this a good move? Some of them, as we all know, some of them are those who are promoters of what we have in the northwest and southwest regions of Cameroon. Okay. Merci beaucoup. La question que je voudrais me poser, c'est quel est l'intérêt de renvoyer ces Camerounais-là au Cameroun? Étant entendu qu'ils ont déjà bâti leur vie là-bas, c'est comme si on délocalisait quelqu'un qui a déjà mis toutes ses fondements, toutes ses fondations quelque part, et puis on le délocalise comme un sac de macabo, et puis on le ramène quelque part. Moi, je pense que d'une manière ou d'une autre, c'est aussi une violation des droits de ces Camerounais-là dans ce pays-là particulièrement, parce que je ne pense pas qu'ici au Cameroun, on peut arriver à rapatrier d'une telle manière les Américains qui se trouvent au Cameroun. Je pense que il y a un problème toujours d'incivisme vis-à-vis de l'Africain, vis-à-vis du Camerounais lorsqu'il se retrouve dans ces pays étrangers, dans ces pays occidentaux. But we equally read from some other sources that the government of Cameroon is collaborating with the US government to ensure that some of those people who are championing disorder back home are brought, and some of those people are actually asylum seekers, as we are told by the reports, by what we are reading in the papers. La question que je voudrais poser, c'est quel est l'intérêt de les renvoyer au Cameroun? C'est quoi le but en fait? C'est pour les emprisonner ou faire quoi? Parce que je pense que si ça pouvait les laisser toujours dans la nature, c'est clair qu'ils vont se retrouver toujours dans cette zone restive du Cameroun, c'est-à-dire au nord-ouest et au sud-ouest. C'est très clair et c'est très évident. Si effectivement ils font partie de ces personnes-là qui financent cette crise, ça ne va pas les empêcher de se retourner dans cette zone-là. Donc au jour d'aujourd'hui, la question que je me posais, est-ce qu'il est nécessaire d'appliquer une telle rigueur ou une telle humiliation sur ces Camerounais-là? Je vais dire non. Je pense que l'État américain est suffisamment souverain pour décider des entrées et des sorties des finances d'argent de son territoire. Je pense que déjà, lorsque tu es dans ces pays-là, c'est pas n'importe comment que tu envoies de l'argent. Il y a toujours, c'est pas moi trop quoi, un cross-check ou une évaluation lorsque tu es en train de faire tes envois d'argent. Donc du coup, je me pose la question, est-ce que au travers de cela, on ne va pas se retrouver en train d'avoir des personnes qui se retrouvent, comment je vais dire, persécutées en vain, c'est-à-dire des personnes qui ne méritent même pas, qui ne font même pas partie de ces personnes-là qui financent cette crise, mais qui se retrouvent malheureusement mélangés dans ce groupement d'individus. Oui, GLADYS, Human Rights Watch a encore frappé fort. Effectivement. And we've always seen the government of Cameroon, of government spokesman,
claiming that all the allegations levied on the government of Cameroon are false. This time around, Human Rights is saying that there is a growing concerns of artifacts and the palaces that are currently being desecrated by soldiers as they go about raiding those areas for in search of these separatist fighters in the northwest region of Cameroon. We saw images and testimonies as per the reports published yesterday by Human Rights Watch. Effectivement, là, chacun sait. Moi-même, je suis tombée sur ce document-là où je lisais comment est-ce que les droits humains, Human Rights Watch, étaient en train de, incriminer l'armée camerounaise et les accuser des viols, de certaines choses, au regard peut-être de leurs satellites ou je ne sais pas moi trop quoi, comment ils ont fait pour avoir ces images. Mais ces images-là sont vues, elles sont partout. Ils travaillent en collaboration avec les NGOs. Voilà, donc du coup... NGOs based in Cameroon and so many other means that they are using to get their information. Yeah, du coup, c'est quelque chose qui attriste une fois de plus l'opinion camerounaise, l'opinion publique camerounaise, parce que effectivement, les forces armées camerounaises sont censées protéger les populations, mais là, en face de nous, on a des vidéos qui nous montrent à quel point ces forces ont malmené certains individus, et c'est carrément triste. Et c'est pas comme si c'est quelque chose qui est caché, c'est pas comme si c'est quelque chose qui n'est pas connu du gouvernement camerounais, mais malheureusement, depuis que cela est fait, depuis que ces images circulent ou bien ces dires circulent, il y a toujours il y a toujours une information qui sort par après que non, c'est pas vrai. They are living in some palaces that we are equally told that separatist fighters have gone as far as destroying the quick phone and some of those traditional some of those artifacts and things that are supposed to be serving like museums to those palaces and our villages back there in the northwest and southwest regions of Cameroon. Yeah, c'est triste, mais c'est ce qui arrive lorsque. But why is Human Rights Watch only focusing on the military? Parce que je pense que c'est parce que les militaires cette organisation se focalise sur les militaires, c'est parce que c'est scandaleux que ce soit des militaires qui portent atteinte à la vie des populations qu'ils sont censés protéger. Ces séparatistes ou bien ces personnes qui sont dans les brousses, ils peuvent faire du mal aux populations. On sait qu'ok, ils sont déjà du mauvais côté. Mais lorsque la police ou bien les forces armées camerounaises qui sont censées protéger sont aussi dans cette même lancée, c'est ça qui porte à équivoque. Je pense que c'est pourquoi ils mettent un peu plus de lumière de ce côté-là. Ok, étape. D'accord. Essayons aussi de parler de cette information qui nous a été donnée par le journal Ligne d'Horizon qui démontre comment au Cameroun la constitution prévoit que l'action gouvernementale soit contrôlée par le parlementaire et ce pouvoir est réglementé par le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Mais jusqu'ici, on constate que, ce contrôle de l'action gouvernementale est peine à être effectif sur le terrain. Comment comprendre tout ça? Mais c'est aussi simple que ça, c'est très facile à comprendre. Nous sommes au Cameroun et puis au Cameroun, les choses ne fonctionnent pas toujours comme elles doivent fonctionner. Et puis bon, on vit avec et on accepte ça comme ça, c'est aussi simple que ça. Et quel est l'impact dans l'évolution vient dans le... Bah, les c'est que nous faisons du surplace et que nous allons continuer à faire du surplace. Normalement, GLADYS, we're supposed to have separation of powers, non? Mais on est supposé avoir, mais on n'a pas. Executive is supposed to be independent, the judiciary is supposed to be independent. Oui. But we find President Paul Biya appointing heads of judiciary, appointing magistrates. Yeah. Hardly do we have private member bills tabled in parliament. Everything comes from the government bench, and so how can we be talking about separation of power? In what is our own democracy? What kind of democracy are we doing in Cameroon? On ne fait pas. Je pense que la conception déjà de la démocratie n'est pas une histoire pour les Africains. You see, government officials, they steal money. The parliament goes, and the parliament don't do anything to ensure that those government officials they are held accountable.
Yeah. Et puis bon, qu'est-ce qu'on peut bien faire? On peut rien faire. Donc on remet tout devant le chef de l'État qui a la décision. Rapidly, Larry, let's end with the Express newspaper talking about over 100 schools that have been shut down by Professor Pauline Alova-Lyonga, who happens to be the Minister of Secondary Education in Cameroon, ahead of the 2021-2022 school year or academic year. Professor Pauline Alova-Lyonga took upon herself to close some of these establishments or schools that are operating illegally in the country. Mm. Yes. Good. So, what do you have to say? Each year we have schools being shut down and other schools are multiplying. Does it mean that the government is not really, the Ministry of Secondary Education does not have enough means to be able to control this school or those schools that are just spreading like mushroom every year? Non, mais il est important que les Camerounais au jour d'aujourd'hui soient des entrepreneurs et ces personnes-là qui osent les 16. But there are laid down regulations that you must follow to create a school. For example, having a playground, not building more than 4-story or 3-story for the safety of the kids. But some of these people, they don't even have yards where children have to play. Yeah. They go about just putting up, transforming via private homes into schools. And they are there, the inspectors are going around. Est-ce que ces établissements ont reçu des agréments? Elles ont reçu. But we have some of them who have been operating for many years, 5 years, 4 years, 6 years, and the government is... What we call administrative tolerance. The government is seeing everything. Ce n'est pas une histoire de tolérance administrative, c'est une histoire de corruption. C'est une histoire de je te mouille la barbe et puis tu me laisses faire. Quand on parle de tolérance administrative, c'est que tu as volé et je te laisse, parce que même dans ton vol, je te laisse continuer à voler. Oui, ça c'est une tolérance administrative. Because normally you need 2 authorizations to be able to operate a school. You have one for creation and you have one for operation, which means that probably some of these schools that have been shut down, some of them don't have authorization for operation, but some might have for creation and some don't even have at all. Yeah. C'est vrai qu'au Cameroun, certains établissements fonctionnent illégalement. Et j'aimerais bien comprendre pourquoi, mais la meilleure manière, c'est de se rapprocher de ces fondateurs-là pour comprendre leurs différentes raisons. Mais d'une manière ou d'une autre, je pense que peut-être sur le plan de vue, le point de vue financier, beaucoup leur est demandé. Does it mean that the process is cumbersome at the level of secondary education ministry, or they are asking them too much money j'ai l'impression for beaucoup de choses sont attendues de ces différents fondateurs-là et qui peut amener certains d'entre eux à vouloir fonctionner dans le flou. On connaît bien que le Camerounais, lui, quand il a son objectif, il fonce, il ne veut pas regarder les alentours. The minister is doing this and this is coming at a time when we all know that the government alone cannot provide education to the population. Since education was privatized in Cameroon, private individuals have been doing so much. You know, our government schools cannot take all the children. Why can the ministry not see reasons with these people who are operating? Probably because, like I did stress, some of them don't have authorization for operation, but some have for creation. Yeah. And it might interest you to know that some of those people whose schools were closed down are those who don't have authorization for operation, not for creation. Some of them are legalized, but they don't have for operation. Yeah. Et c'est très triste. Moi, je pense que au jour d'aujourd'hui, l'administration camerounaise devrait trouver des moyens pour encourager l'entrepreneuriat, pour encourager ces différentes personnes-là, ces fondateurs qui ont pris sur eux d'ouvrir des établissements et trouver des voies et moyens pour leur permettre de faciliter la légalisation de leurs différents établissements. Parce que je pense que le problème se trouve Pourquoi on ne donne pas ça une fois? Quand tu crées, quand on donne pour la création, c'est tout. Pourquoi? Je pense que c'est deux négociations différentes et puis c'est deux entrées d'argent différentes. Donc, on se comprend. Thank you very much, Gladys, for coming. Time has cut us short. Thank you too for watching. Televiewers, see you tomorrow for yet another edition of What the Papers Must Have Said. The program was produced by Christain Tebong for Plantation. We've been Etape, Quentin, and myself, Lasha Kingsley. Bye-bye.